Et comme on regarde un petit peu tout azimut ce qu'il se fait sur l'innovation collaborative, on a autour de nous un certain nombre de membres de réseaux qui eux-mêmes exercent des travaux, qui font des conférences. Et nous avons souhaité, à travers les conférences du CACEO ici, vous mettre en contact et vous permettre d'entendre ces travaux sur une perspective, je dirais, multi-regard, avec des prismes différents, permettant de voir des points de vue à travers des entrepreneurs, des chercheurs d'entreprise. Et aujourd'hui, nous accueillons Réal Jacob, qui est professeur honoraire d'HEC Montréal, qui se qualifie lui-même de prof entrepreneur, on va dire fortement entrepreneur, tout en étant aussi chercheur. Il a été cofondateur de Mosaïque, qui est un laboratoire de recherche en créativité et innovation, qui est également basé à Montréal. Et la conférence de Réal, qui traitera d'innovation managériale, sera suivie d'un temps de questions. Au bout d'une heure, une petite heure de présentation, nous aurons un temps de questions en échange. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos chats à travers la petite bulle que vous voyez en bas à droite, qui va vous permettre d'écrire. Je vous demanderai de pas interrompre Réal pendant sa présentation. On reprendra ces questions et vous aurez la parole. Et ensuite, après ce temps de questions-réponses, Karine Goguet-Oprimard prendra la parole pour faire une synthèse et une mise en perspective de ce que Réal Jacob aura présenté pour voir quelles sont les transpositions, est-ce qu'il y a des différences entre le modèle québécois et notre environnement ici plus proche. Voilà. Et nous conclurons ainsi sur une base de 17h30. Voilà. Je passe la main à Réal. Je vais vous préciser toutefois que cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur notre site CACEO qui est en cours de développement, donc courant d'été probablement. Vous pourrez nous la demander si vous en avez besoin. Dans tous les cas, vous aurez un certain nombre de documents présentés à disposition si vous le souhaitez également. Pensez à éteindre les chats qui pourraient passer par la porte, vos téléphones peut-être, enfin tout ce qui se fait dans les salles de concert et de cinéma comme d'habitude. Voilà. Allez, je laisse la parole à Réal. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Alors, on va basculer l'écran. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui Bonjour. me connaissent, un Je bascule exercice qui n'est pas simple pour moi de présenter derrière un écran alors qu'on est habitué d'être très interactif devant un groupe de personnes. Alors voilà, et autre petit point, les salons de coiffure ne sont ouverts que depuis hier au Québec. Donc, prochain rendez-vous pour moi samedi. Donc, voilà pour l'allure. Alors écoutez, j'ai choisi d'aborder le thème de l'innovation managériale dans l'esprit du CACEO lequel on collabore depuis la première année. Alors l'idée c'est de la présentation, c'est que j'ai fait des choix. Donc là, je vois qu'on avance bien. OK, parfait. OK, donc je vais avancer moi-même les diapositives. Pour cette présentation, en 60 minutes, j'ai fait des choix autour de l'innovation managériale. J'ai pas voulu aborder l'innovation produit, procédé, ni l'innovation sociale, ni l'innovation frugale, ni l'innovation technologique. J'ai voulu me concentrer sur l'innovation managériale, qui est un peu l'enfant pauvre de l'innovation, autour d'un premier thème qui est comment, lorsqu'on développe de nouvelles capacités stratégiques dans une organisation, la slide précédente. Alors Mais là, par les contre, slides avant la slide, on avance tout seul. voilà, il faut pas avancer les slides. Alors moi, je ne les touche pas, mais je pense que quelqu'un doit malencontreusement toucher les petites C'est flèches. ça. OK. Voilà. Alors là, on va mettre une règle, c'est moi qui avance les slides. OK. Voilà, tout à Alors, fait. le premier, c'est lorsque une entreprise développe des nouvelles capacités stratégiques autour de l'expérience client, par exemple, de nouvelles capacités stratégiques autour d'un nouveau modèle d'affaires numérique, etc. On pense souvent à innovation technologique, on pense souvent à innovation produit, mais on pense moins souvent à l'innovation managériale, incluant la littérature. Donc, je vais essayer de cartographier les principales capacités stratégiques qu'on essaie de développer actuellement dans les entreprises avec lesquelles je suis en lien au Québec, et puis donner quatre exemples ou quatre cas autour de ces capacités stratégiques, en essayant bien sûr de tirer des apprentissages. Le deuxième volet que je vais aborder avec vous, c'est un peu dans l'esprit de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Comment souvent on est limité dans nos paradigmes pour penser l'innovation managériale et si on développe des espaces, un peu comme le CACEO, je vais évoquer tout à l'heure d'autres espaces qu'on appelle en recherche le middle ground.
Comment on se fait rencontrer différents paradigmes, différentes perspectives pour incuber l'innovation managériale. Et là, je vais présenter le cas d'Ubisoft et puis le cas de Centre Hospitalier Sainte-Justine de Montréal, qui est en lien avec Necker à Paris, qui est une spécialisation sur l'enfant, la pédiatrie, avec lesquels je travaille actuellement à élaborer l'horizon 2035. Et le dernier point, qui est une grande croyance au Québec, que la capacité à changer des organisations, de se transformer, commence d'abord par la capacité à changer du dirigeant et de son équipe de direction. Et le constat qu'on fait ici, peut-être pas chez vous, mais ici, on fait le constat que les programmes de développement des cadres supérieurs, des hauts dirigeants, ne livrent pas les résultats attendus et qu'on doit aussi innover dans la manière de développer les hauts dirigeants et les équipes de direction. Donc, je vais présenter deux cas d'innovation managériale autour de comment on développe des hauts dirigeants à prendre la relève dans leur propre organisation, en dehors des chemins traditionnels de formation des hauts dirigeants. Comme le disait John Cutter dans son livre Hearts and Minds, on a tendance à former les hauts dirigeants trop sur le minds et pas assez sur le hearts, le courage, etc. Donc, je vais évoquer deux cas autour de ça. Toujours à chaque fois, autour de chaque thématique, j'essaie de tirer des apprentissages et quelques leçons à la fin. Donc, je vais accélérer. Voilà, ça, c'est un peu mon background. Je suis à la fois un prof, je suis à la fois un chercheur, je suis à la fois un entrepreneur qui a créé une firme de consultants qui a intégré dans un grand groupe industriel. J'ai géré des profs d'université, j'ai été membre du comité de direction d'HEC Montréal pendant plusieurs années et j'ai moi-même piloté des projets d'innovation managériale dans la réorganisation du corps professoral à HEC Montréal. Donc, je vais prendre mes cas viennent de sources que je connais bien. Et des gens avec qui je travaille, vous avez un peu ici le spectre de mes expériences à travers lesquelles je vais illustrer mes propos. Un mot sur le Québec, parce que c'est important de contextualiser. On dit souvent qu'on est la plus européenne des écoles de gestion, mais quand on est aux États-Unis, mais quand on est en Europe, on dit qu'on est la plus américaine des écoles de gestion. Donc, on est à la croisée entre deux cultures. Vous voyez un peu qu'avant COVID-19, le grand problème au Québec, c'était la rareté de la main-d'œuvre. Le taux de chômage était au Québec de 4,5 %. Dans la ville de Québec, le taux de chômage était 2 %. Surplus budgétaire, réduction de la dette brute par rapport au PIB de manière importante depuis les dernières années. Donc, une société qui va bien, mais en même temps qui est en chamboulement comme vous avec le COVID-19. L'autre élément important, c'est qu'on croît démographiquement avec l'immigration, entre 45 et 60 000 nouveaux immigrants par année, qui sont des immigrants, on pourrait dire, entre guillemets, identifiés selon leurs compétences en fonction de l'emploi, parce que l'important, c'est pour intégrer l'immigration, c'est par l'emploi. Comme en France, on a une croyance collective dans le temps. Actuellement, nos dirigeants ont les plus hauts taux de satisfaction historique de reconnaissance de la population québécoise dans leur gestion du COVID. Il y a deux Québec. Il y a le Québec autour de Montréal. Il y a le Québec des régions. Donc, autour de Montréal, c'est très multiculturel. Cette année, à HEC Montréal, 15 000 étudiants. On a 155 nationalités différentes en salle de classe. Enseignement en trois langues, anglais, français, espagnol. Distance hiérarchique très faible. Pour nous, ce qui est important, c'est le rôle que les gens jouent et non pas leur statut. Je vais l'évoquer notamment dans les cas en santé. Donc, les gens ici ont à peu près, sont plus ou moins préoccupés par le titre que les gens détiennent. Ce n'est pas important ici. L'important, c'est la contribution qu'on fait à l'intérieur d'une organisation. Donc, ça, c'est la distance hiérarchique, elle est très faible. Il y a une forte présence historique du modèle coopératif. Il y a 3 000 coopératives en activité au Québec, dont le plus grand employeur au Québec est une coopérative financière qui emploie 46 000 personnes. Donc, ça fait partie, le collaboratif fait partie de notre schéma mental historique. Et bien sûr, on valorise beaucoup l'entrepreneuriat. On est la région la plus syndiquée en Amérique du Nord. 38, 30, quasiment 39 % des travailleurs québécois sont syndiqués. Mais dans un contexte de syndicalisme d'affaires, ce qui veut dire que nos conventions collectives se renouvellent sans à peu près aucun problème. Et les deux plus grandes centrales syndicales du Québec ont développé des filiales où elles investissent en capital de risque. La FTQ a actuellement en actif 16 milliards de dollars investis dans des PME. Et le deuxième grand syndicat, c'est 3 milliards de dollars investis dans des PME.
Donc, les syndicats, les deux plus grands syndicats au Québec investissent dans le capital de risque des entreprises québécoises. Donc, en quelque part, là, voilà, c'est un mode différent de fonctionnement au niveau des relations de travail en tant que tel. Voilà pour le contexte, parce que ça teinte beaucoup là, l'esprit dans lequel on travaille. Ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'idée que l'innovation managériale peut contribuer à la transformation des organisations. Transformer une organisation, c'est à la fois systémique, structure, processus, personne. C'est culturel, soutenir des virages culturels. C'est politique, donc les rapports de pouvoir. C'est aussi, pour moi, le mot le plus important, contextualiser. Donc, l'innovation managériale, très contextualisée à la transformation d'une organisation donnée. Ce qui veut dire, par exemple, que les concepts d'entreprise libérée, etc., ne fonctionnent pas ici. C'est trop top-down, c'est pas assez bottom-up. Et puis, ce que je vais aborder du point de vue de l'innovation managériale, c'est autour des pratiques de gestion, des processus, des structures, le management. Je vais aborder aussi l'idée dans l'esprit du KCO que l'innovation managériale, c'est aussi un processus d'apprentissage, un processus collaboratif, c'est un processus créateur. Vous allez voir que dans la plupart des cas que je vais présenter, j'ai retenu cet angle-là. J'ai retenu l'angle du fait que l'innovation managériale, elle est co-construite par les acteurs, elle n'est pas imposée par le management, on pourrait dire, là. Et bien sûr, vous allez voir que ici, on valorise au Québec beaucoup les savoirs expérientiels individuels et collectifs. Par exemple, je vais noter qu'au niveau de la santé, lorsqu'on implique les gens en santé, on a le concept de partenaire-patient, où le patient intervient dans le processus de soins qu'il consomme lui-même. À l'Université de Montréal, en faculté de médecine, il y a 110 patients partenaires qui co-enseignent avec des médecins à partir de leur vécu de patient qui co-enseigne à la faculté de médecine pour mieux faire comprendre le vécu du patient associé aux connaissances cliniques et aux connaissances thérapeutiques. Alors, on est dans cet esprit-là des savoirs expérientiels des infirmières, des savoirs expérientiels des producteurs chez Ubisoft, etc. On est beaucoup dans cette idée de Nonaka et Takeuchi, des savoirs expérientiels qui se rencontrent pour développer une intelligence collective. Voilà la perspective dans laquelle je vais présenter les cas dans les prochaines minutes, en vous rappelant que, si vous le souhaitez, je vais rendre disponible un chapitre de livre 2017 qui fait une synthèse sur la transformation des organisations avec des cas. Et l'ensemble de la présentation, je l'ai rendu disponible aussi en PDF avec les boîtes à outils, les hyperliens disponibles sur la présentation que j'ai fait il n'y a pas longtemps à Grenoble, avec l'IAE de Grenoble et un groupe d'industriels de la région de Grenoble. On a fait la même présentation à peu près, là, un petit peu plus longtemps, animée avec des industriels de la région de Grenoble. Alors, le premier thème, qui est le thème de l'innovation managériale comme levier de développement de nouvelles capacités stratégiques. L'idée, c'est derrière les cas que je vais présenter, l'idée, c'est le pourquoi et le vers quoi. Autrement dit, innovation managériale, pourquoi? Quel est le sens que l'on veut donner à l'innovation managériale? Dans quel esprit doit-on la développer? Pourquoi on le fait? Ça nous renvoie à l'idée que l'innovation managériale va bien fonctionner si on a un bon business case for change. Autrement dit, le pourquoi et le vers quoi. Je vous encourage à aller voir d'ailleurs la vidéo de Simon Sinek sur le why, sur le purpose, sur le sens. Autrement dit, lorsque l'innovation managériale chez nous se présente comme une mode, ça ne fonctionne pas, puis probablement chez vous aussi. Alors, l'idée, c'est celle qu'on construit, qu'on contextualise à partir des savoirs terrain. L'idée, grosso modo, est à peu près la suivante. Depuis un certain nombre d'années, on vit dans un monde relativement complexe qui est accentué par la crise du COVID actuellement. Et l'idée, c'est bien sûr l'importance d'innover, mais d'innover aussi, et pas uniquement dans nos rapports aux produits, dans nos rapports aux procédés, dans nos rapports aux modèles d'affaires, à la technologie, mais aussi d'innover dans nos rapports humains, dans nos pratiques de gestion, dans les rapports sociaux pour soutenir la transformation des organisations qui développent des nouvelles capacités. Là, j'ai essayé de faire un tour de piste en disant, bien, quels sont les... Quand je regarde le cercle des présidents avec qui je travaille, qui sont 75 PDG de grandes entreprises québécoises, surtout québécoises, ou le réseau ID, une centaine de personnes qui travaillent aussi
à questionner leur propre entreprise. Lorsque je regarde le livre qu'on a publié sur Parole de PDG, des entrevues avec des PDG dirigeants, quelles sont les capacités qu'on essaie de développer actuellement dans des entreprises, on va dire, québécoises avec lesquelles on est en transaction? Et je les ai résumées autour de six capacités. Alors, on voit de plus en plus, notamment dans le secteur public, une propension à développer des capacités autour du client, donc capacités stratégiques orientées client. Par exemple, des sociétés de transport qui ont développé des moments de vérité, donc un parcours client qu'ils associent à un parcours employé pour faire vivre une expérience citoyen qui consomme le transport en commun de manière plus percutante, par exemple. De l'autre côté, les organisations qui tentent de devenir plus agiles, surtout les grandes bureaucraties, qu'elles soient privées ou publiques. Il y a une certaine lourdeur dans nos grandes bureaucraties, et puis il y a tout un groupe d'entreprises, bien sûr, qui travaillent sur l'agilité, les équipes multifonctionnelles agiles, les scrums que vous connaissez bien, la délégation, la responsabilisation le plus bas possible dans la hiérarchie. Donc, on voit qu'il y a un mouvement important autour de l'agilité, autour de l'innovation, gestion de connaissances, autour de la collaboration, beaucoup autour de la collaboration sur le management transversal, comment faire collaborer en gens des gens de secteurs différents, de silos différents, de disciplines différentes, comment les faire collaborer de manière transversale à produire un résultat commun, percutant, autour de l'alignement aussi des pratiques de leadership et du T-shape management. Je vais revenir sur le T-shape management en fin de la présentation. Beaucoup sur la mobilisation aussi, compte tenu des taux de désengagement qu'on observe dans les sondages, notamment chez les jeunes générations. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui développent des nouvelles capacités à mobiliser les gens et bien sûr autour du numérique. Alors, ce que j'ai choisi de faire pour ce premier tableau, c'est de vous donner quatre cas qui sont dans l'esprit de ces capacités, de vous les présenter avec le plus de passion possible, surtout ceux que je connais personnellement, pour montrer à la fois que l'innovation vient des savoirs expérientiels, montrer à la fois que l'innovation, elle est co-construite, montrer aussi à la fois que l'innovation, souvent, va provenir de hunches qui sont pas en lien directement avec le métier de l'organisation. Alors, le premier cas que je veux illustrer, là, j'avais fait un montage, si vous voulez, animé, mais c'est comment on répond à la question. Ça, c'est une question que l'équipe de direction d'HEC Montréal m'a posée en 2007-2008. Comment faire collaborer des silos disciplinaires, donc finance, marketing, gestion des ressources humaines, gestion des opérations, économie, donc des profs qui travaillent dans des silos, qui appartiennent à des silos, qui s'identifient à des silos disciplinaires, et comment on pourrait les faire collaborer différemment pour à la fois générer des nouvelles capacités stratégiques et générer des nouveaux revenus. Et si vous prenez le avant, dans le avant, on avait essayé de faire collaborer, par exemple, la discipline de technologie de l'information, ressources humaines et management sur, par exemple, un programme transdisciplinaire en gestion de projet avec beaucoup de difficultés. Et à un moment donné, on s'est posé la question, mais comment faire collaborer? Comment on pourrait innover dans la collaboration entre des profs d'université qui ne sont pas habitués à collaborer ensemble au-delà de leur discipline? Et finalement, on a inventé un concept qui s'appelle les pôles de transfert et que vous voyez complètement à droite. Et vous voyez en bas que les pôles de transfert ont tous une signature média, ont tous une signature marketing. Et que l'ensemble des pôles que vous voyez là ont été créés à partir de 2008-2009. Ils génèrent aujourd'hui des fonds en millions de dollars. Et pourtant, les profs continuent à faire leur travail comme ils le faisaient avant. Le simple fait, c'est qu'on est parti de leur passion. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'un prof de finance, par exemple, est-ce qu'on a des profs de finance qui sont des passionnés, par exemple, des familles en affaires? On a des profs en ressources humaines passionnés des familles en affaires? Est-ce qu'on a des profs en gestion des opérations passionnés des familles en affaires? Et on a trouvé une quinzaine de profs qui enseignaient dans des disciplines, mais à la lecture de leur CV, de leur curriculum vitae individuel, on a fait le constat que leur passion était transversale. Idem pour la gestion des arts, idem pour la gestion des sports, idem pour le pôle santé. Donc, on est parti de la passion des profs plutôt que partir de leur discipline.
pour les faire évoluer dans un nouvel espace qui est un pôle de transfert, tout en leur permettant de continuer à enseigner dans leur discipline de base et à s'impliquer dans les programmes de base. Donc, l'innovation managériale ici s'est construite autour de pôles et le succès ou les succès associés à cette notion de pôle, bien, vous les avez ici dans l'encadré. Qu'est-ce qui fait que l'innovation managériale dans la gestion du corps professoral? Donc, lorsqu'on rencontre le corps professoral, à HEC, c'est 280 profs de carrière. Lorsque je fais des rencontres avec eux dans des amphithéâtres et qu'on leur demande à partir de votre discipline, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec d'autres profs? La réponse est généralement négative. Mais lorsqu'on se met à la découverte de leur passion et que cette passion, on la connecte avec les milieux de pratique et qu'on leur dit, vous allez être en lien avec les milieux de pratique, bien, on a vu que cette approche de la gestion d'un corps professoral a donné des résultats inespérés au niveau des profs eux-mêmes, au niveau de la génération de nouvelles capacités. On est maintenant reconnu en gestion de la santé, on est reconnu en gestion des arts, on est reconnu en entreprise familiale, alors qu'on ne l'était pas il y a quelques années. Et vous avez ici les principaux facteurs de succès qui ont contribué à cette innovation managériale. Donc, la relation avec les milieux de pratique, bien sûr. Là, il faut comprendre un élément de contexte. Quand une entreprise rencontre un problème au Québec, souvent, les gens vont appeler l'université. Donc, il y a déjà un lien historique entre l'université et les milieux de pratique. On s'est dit que l'innovation va fonctionner s'il y a des résultats pour les milieux de pratique, transfert réseautage, mais si les profs qui interviennent avec les milieux de pratique deviennent des meilleurs chercheurs et des meilleurs enseignants. Donc, vous voyez ici que on a construit l'innovation autour d'un parrain, autour de champion, mais vous voyez qu'on a inventé l'innovation managériale. On a inventé, dans le fond, la notion de pôle. La notion de pôle, c'est une approche collaborative, c'est la co-construction de projets entre les milieux de pratique et des profs passionnés autour de leur passion plutôt que de leur discipline pour faire évoluer l'organisation qui s'appelle HEC Montréal, développer des nouvelles capacités stratégiques et développer des nouvelles sources de revenus. Un autre exemple que je veux tout simplement noter, c'est comment en complémentarité à la stratégie numérique, faire vivre une expérience client unique pour mieux rejoindre les milléniaux dans une institution financière. Alors ici, l'innovation est construite autour des 4 E, des 4 E en marketing que vous connaissez, là, émotion, engagement, exclusivité. Et le dernier m'échappe sur mes notes, mais le dernier m'échappe, mais je vais le retrouver, expérience. Vous avez ici un constat qui est fait par les caisses des jardins, qui est un peu l'équivalent des caisses dont le siège social est basé à Strasbourg, dont le nom m'échappe en France. Mais l'idée, c'est comment construire, comment rejoindre les jeunes milléniaux qui, en général, utilisent uniquement le numérique, sont allergiques à une rencontre physique pour vivre une expérience client et comment on pourrait compléter l'expérience client numérique par une expérience en présentiel unique. Et basé sur les 4 E, Desjardins, 48 000 employés, a décidé de construire des lieux de proximité proches des universités, donc comme un tiers-lieu. Donc, ce que vous voyez, vous pouvez consommer de tiers-lieux, comme si on va dans un café, par exemple, les étudiants peuvent aller flâner dans l'espace physique sans nécessairement consommer le produit financier. Et l'innovation managériale est construite ici autour des 4 E, est construite aussi autour de la notion de tiers-lieu. Elle est construite autour aussi d'une équipe de conseillers qui reflète la clientèle étudiante, donc celle qui est près d'HEC Montréal. C'est une équipe qui est jeune, qui est multiculturelle, sans aucune référence à aucune forme de hiérarchie, avec des équipes complètement responsabilisées qui jouent deux rôles, c'est-à-dire à la fois un rôle d'éducation financière, un rôle d'intégration des besoins du jeune par rapport à l'ensemble des produits financiers qui sont proposés par Desjardins. Donc, on voit ici une innovation managériale qui est ancrée dans les besoins de la jeune génération, qui s'appuie sur la notion de tiers-lieu, qui réinvente les équipes en lien avec la clientèle. Donc, ce sont des équipes responsabilisées, polyvalentes, qui reflètent la clientèle et qui permettent de faire vivre à la fois une expérience client,
de faire vivre une expérience d'éducation et de rappeler la mission sociale de Desjardins qui correspond bien aux besoins des jeunes, mais qui est mal perçue par les jeunes uniquement via le web ou via le numérique. Donc, la question, c'était aussi comment se rapprocher des jeunes pour mieux faire comprendre le sens de la mission de Desjardins, qui est à la fois entre l'avoir, les sous, et être le soutien social de Desjardins dans les communautés au Québec, qui est l'institution financière qui fait le plus de soutien social au Québec dans les communautés, qui correspond aux attentes des jeunes. Mais difficile de faire vivre l'expérience sociale de Desjardins à travers le numérique, donc cette idée de construire une innovation managériale basée sur les 4 E. Avec aucune référence à la hiérarchie. Autrement dit, à l'intérieur de ces caisses, il n'y a pas des fonctions de direction, il n'y a pas de directeur, ce sont des équipes responsables, autonomes, qui vont gérer la relation client. Autre innovation managériale dans un autre domaine qui est celui de la santé. Le milieu de la santé, avant l'innovation que vous voyez à droite, ce sont des départements qui, grosso modo, fonctionnent en silo selon un métier de base. Donc, au Québec, vous avez, par exemple, les CLSC, qui sont des spécialistes en prévention. Vous avez les centres hospitaliers de l'hôpital, des spécialistes pour guérir, la guérison. Et puis, vous avez des centres de réinsertion, les centres pour les personnes âgées qui vont faire le soutenir la réinsertion du patient dans sa communauté. Le seul problème, c'est qu'on réinvente la roue entre les 3 silos. Les 3 silos ne se parlent pas, alors que les données probantes nous indiquent qu'on doit intégrer les 3 silos dans des processus intégrés pour être en mesure de bien gérer la problématique d'un patient. Un patient, par exemple, qui est diabétique, a besoin de se faire enseigner sur comment prévenir le diabète, a besoin de bien gérer sa problématique de diabète avec le guérir pour bien le soutenir, comment on le ramène dans son milieu de vie pour mieux contrôler son alimentation et tout ça dans la même chaîne de valeur. Autrement, on constate à partir des données probantes que le modèle avant génère beaucoup d'informations qui ne se parlent pas entre les milieux de soins. Alors au Québec, on a inventé, on s'est beaucoup inspiré des modèles de création de valeur, de chaîne de valeur, pour reconstruire la chaîne de valeur, prévenir, guérir, soutenir dans une même logique partenariale collaborative qu'on a institutionnalisée autour de la notion de trajectoire de soins, de continuum de service ou de programme clientèle, où ce sont des équipes transversales, un peu comme des communautés de pratique, des médecins, des travailleurs sociaux, des psychologues, des infirmières, des ergothérapeutes, qui co-construisent ensemble le programme clientèle, le continuum de service, la trajectoire de soins, où on identifie le rôle de chacun à l'intérieur, sa contribution à l'intérieur de la trajectoire du continuum ou du programme, orienté sur le patient partenaire, orienté sur le besoin du patient, orienté sur la finalité de la trajectoire plutôt que l'expertise dans un département. Et l'innovation managériale ici, c'est celle qu'on a quand même inventée au Québec. Là, on a inventé le concept de co-gestion clinico-administrative et médicale. Dans le modèle avant, les patrons, ce sont les médecins spécialistes. Dans le modèle après, les médecins spécialistes sont un membre dans une équipe transversale. Mais on s'est aperçu rapidement que pour mobiliser des médecins spécialistes avec des corps de métier infirmières, travailleurs sociaux, etc., on avait besoin d'une double légitimité. Donc, la légitimité d'un chef médical, donc un médecin spécialiste reconnu par ses pairs, et on reconnaît son expertise et on accepte d'être géré, d'être co-géré par lui à l'intérieur d'une trajectoire de soins. Et de l'autre côté, un chef clinico-administratif qui va gagner sa légitimité autour de la gestion des ressources cliniques. Alors, un des profils qu'on voit beaucoup, ce sont des infirmières qui ont MBA, donc des infirmières formées au MBA, qui vont être jumelées à un grand spécialiste médecin, un petit peu formé en gestion, qui ensemble vont co-gérer une trajectoire de soins, vont co-gérer l'interdisciplinarité, vont co-gérer la gestion des processus, vont co-gérer la gestion des ressources financières, vont co-gérer l'imputabilité du résultat,
vont co-gérer l'orientation client, etc. Alors, ici, l'innovation managériale, elle est autour de l'invention de cette notion de co-gestion clinico-administrative associée à une innovation de processus qui intègre dans une même chaîne de valeur prévenir, guérir, soutenir. Alors là, vous comprendrez qu'encore ici, cette notion de co-gestion, elle est co-construite à partir du terrain en tant que tel. Et la dernière observation que je veux faire ici, c'est à la Banque nationale du Canada, il y a environ 2 à 3 ans, devant tous les défis que pose la gestion des personnes. Alors, on s'est posé la question, comment innover dans la gestion des personnes? Et ce qu'on a retenu comme idée, ça a été tout simplement de dire, oui, mais comment on pourrait développer la compétence coaching auprès de l'ensemble des gestionnaires de l'organisation plutôt que d'aider nos gestionnaires uniquement par des coachs? Autrement dit, que la compétence coaching soit appropriée par les 2 200 gestionnaires de la banque, qui fait environ 18 000 employés, plutôt que de leur rendre uniquement un service de coaching disponible dans leur intervention auprès de leur équipe de travail. Pourquoi c'est important de travailler sur le gestionnaire et son équipe de travail? Tous les travaux sur l'engagement organisationnel montrent que c'est l'engagement affectif au travail qui explique l'engagement. Et l'engagement affectif au travail, lorsqu'on regarde la variance, ce qui explique l'engagement affectif au travail, c'est la relation de supervision entre le gestionnaire et son équipe de travail. Alors, on s'est dit, comment, dans le fond, apprendre à des gestionnaires qui travaillent avec leur équipe de devenir un coach pour leur équipe, supporté par des parcours de coaching, supporté par des coachs internes, supporté par des coachs externes autour d'une plateforme d'accompagnement à coaching pilotée par la direction exécutive de développement des cadres de l'organisation. Alors, voilà un autre exemple d'innovation managériale autour de la capacité à mobiliser dans une organisation qui s'appelle ici la Banque nationale. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce que ces 4 histoires de cas d'innovation managériale ont en commun? En transformation des organisations, on se pose toujours un certain nombre de questions autour d'enjeux, autour de logique d'action et autour de niveaux d'intervention. Alors, peu importe les cas d'innovation managériale que je viens de présenter, qui sont très bottom-up, hein, très centrés sur la co-construction d'une innovation managériale à partir des savoirs tacites expérientiels. Donc, c'est beaucoup autour de ça. Bien sûr qu'on tient compte des savoirs théoriques, par exemple. Qu'est-ce qu'une trajectoire de soins en gestion? On connaît théoriquement qu'est-ce que c'est, mais comment on invente la co-gestion? Bien, c'est en parlant et en travaillant en co-construction pour inventer cette idée de la co-gestion médicale administrative. Alors, l'idée, c'est que dans tous les cas, l'innovation est associée à une logique d'affaires ou à une logique stratégique, dans tous les cas. HEC Montréal, c'est comment mieux se positionner versus nos concurrents dans l'environnement des écoles de gestion. Donc, dans chacun des cas, vous avez un bon business case for change qui vient légitimer l'enjeu, qui vient légitimer, dans le fond, l'innovation managériale. Et dans chacun des cas, vous avez une gouvernance associée au niveau de la dimension logique d'affaires et de l'enjeu de la légitimité. Donc, il y a une gouvernance qui est autour, par exemple, d'HEC Montréal, qui était autour de l'équipe de direction d'HEC Montréal, dans un centre hospitaliste autour de la direction des soins infirmiers et des services médicaux. Donc, il y a toujours, dans tous les cas, il y a toujours la fonction de gouvernance, elle est assumée pour relever l'enjeu de la légitimité autour d'un bon business case for change. Dans tous les cas, vous avez une structure de pilotage avec des champions, des processus. Comment on arrive à implanter le modèle de la co-gestion à l'intérieur de mes processus cliniques? Là, j'ai une équipe de pilotage avec des champions qui vont travailler à piloter la transformation de l'organisation et l'accompagnement continu des acteurs, formation, soutien, groupe d'apprentissage par les pairs, co-développement, qui sont des activités qui sont mises en œuvre pour soutenir l'innovation managériale pour qu'elle puisse bien s'imprégner dans les milieux de vie. Alors, le premier bloc, ce que je voulais faire dans un modèle à distance, là, je m'ennuie beaucoup de mon tableau, de mes dessins, de mes ronds, de mes carrés.
Et de votre présence physiquement, mais j'ai voulu montrer que l'innovation managériale peut être utilisée non pas en soi, innover pour innover, mais pour soutenir des nouvelles capacités stratégiques et pour soutenir une transformation organisationnelle. Et souvent, l'innovation managériale, dans le contexte de la transformation, nouveau modèle d'affaires, c'est l'enfant pauvre de l'innovation. On oublie souvent d'innover. Donc, on change nos modèles d'affaires, mais on maintient nos modèles traditionnels de management. Le deuxième tableau que je veux aborder avec vous, c'est l'innovation managériale incubée dans des espaces intermédiaires de socialisation, le middle ground. L'idée ici étant un peu... Oh, je viens de perdre le PowerPoint. Je viens de perdre le PowerPoint. Je ne sais pas si les gens m'entendent toujours. L'idée, c'est ici, c'est de voir un peu, c'est la loi des rendements décroissants. Plus on travaille à l'intérieur du même paradigme, plus on travaille de plus en plus fort pour produire de moins en moins de résultats. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut se donner des espaces intermédiaires de socialisation pour incuber des nouvelles idées, incuber des nouvelles idées créatives pour mettre en place des innovations managériales qui nous permettent d'aller plus loin avec notre entreprise. Alors, c'est un peu cette idée du middle ground. Et je vais vous prendre un exemple concret. Là, souvent, l'upper ground, ce sont des grandes organisations comme les vôtres, comme HEC, les grosses bureaucraties aussi, qui pourraient bénéficier de plein d'idées qui viennent des citoyens, des groupes informels, des chercheurs, des startups, des experts, de nos employés à la base. Mais souvent, on n'a pas de lieu de rencontre pour challenger ces idées. On appelle le middle ground. Dernièrement, on a travaillé au Québec sur le constat qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs connectés sur les milieux de pratique dans le monde de la santé. Et on a inventé un middle ground qui s'appelle innovateur en santé en résidence, en s'inspirant du médecin en résidence, où on a embedded des startups qui sont connectées directement à 10 mètres de milieu clinique où ensemble, on va incuber une nouvelle technologie, un nouveau vaccin, un nouveau processus en lien avec les milieux cliniques, mais la startup qui est incubée à l'intérieur du milieu clinique et non pas à l'extérieur. Donc, le middle ground ici s'appelle innovateur en résidence. Alors, pour ceux qui s'intéressent au concept de middle ground, on dit qu'un middle ground, c'est d'abord un espace physique, par exemple, un laboratoire vivant, un Fab Lab. Ça peut être un espace virtuel comme le KCO, qui favorise des échanges créatifs autour d'idées à partir de gens différents, qui crée des événements, comme par exemple Mosaïque, HEC Montréal. On a des événements qui s'appellent des 5 à 8 créatifs, qui regroupent une centaine de personnes, 8 fois par année, où on va challenger des idées en échange créatif dans un espace physique. Et d'où on va incuber des projets qui ensuite vont être intégrés dans des organisations. Alors, tout simplement pour vous rappeler qu'une bonne manière, une bonne façon d'incuber de l'innovation managériale, c'est d'utiliser cette idée de middle ground pour créer des espaces de socialisation qui vont permettre à des savoirs tacites d'horizons différents de se rencontrer, de créer de l'intelligence collective, et de générer de l'innovation, dont de l'innovation managériale. Alors, si on prend le cas d'Ubisoft Montréal, complètement à droite, vous avez, là ici, c'est comme si c'était trois espaces de type middle ground. Donc, vous avez Ubisoft Éducation, Ubisoft La Forge, et puis Ubisoft Montréal au niveau des communautés métiers. Alors, l'idée, c'est Ubisoft fait beaucoup le constat a fait beaucoup le constat à Ubisoft Montréal, qui est en passant le plus grand studio au monde, d'Ubisoft et au monde. Donc, c'est un studio de 3500 personnes. Montréal est la cinquième plaque tournante mondiale dans le jeu vidéo. Il faut comprendre que Ubisoft aborde, par exemple, avec la Ubisoft Éducation, aborde la gestion des talents, non pas uniquement à partir de la direction des ressources humaines d'Ubisoft Montréal, mais à partir d'un middle ground, qui s'appelle Ubisoft Éducation, où se rencontrent des gens d'Ubisoft, donc des producteurs de jeux, des techniciens, des gens qui travaillent sur les différentes fonctions de création d'un jeu, par exemple, qui vont rencontrer dans Ubisoft Éducation des enfants au primaire, des enfants au secondaire et des jeunes à l'université dans trois espaces différents
avec des missions différentes pour, dans le fond, améliorer le bassin de talent, attirer les jeunes dans l'univers scientifique et dans l'univers des métiers du jeu vidéo, entre autres, et aussi appuyer leur développement de compétences en vue, non pas uniquement d'Ubisoft Montréal, mais en vue de l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Ce qui veut dire qu'en créant ces plateformes, on crée des projets avec des jeunes au primaire autour du codage. Par exemple, Ubisoft supporte 200 clubs de codage avec leurs propres employés pour amener les jeunes à s'intéresser à ces dimensions-là du travail dans le monde du jeu vidéo. Au niveau, par exemple, du secondaire avec Fusion Jeunesse, donc c'est toujours en partenariat avec Fusion Jeunesse, comment on amène des jeunes décrocheurs à raccrocher au niveau secondaire par l'expérimentation de la création d'un jeu vidéo qui est présenté à la direction d'Ubisoft. Alors, tout simplement pour vous dire ici qu'on a créé une plateforme qui permet aux gens d'Ubisoft de rencontrer les futures générations pour ensemble les travailler à les intéresser sous l'angle de la gestion des talents, à les intéresser à l'univers du monde de l'information et du monde du design et du monde du jeu vidéo. Idem pour La Forge, qui est avec le monde des centres de recherche universitaires. Et je vous dirais un peu les communautés métiers. Là, vous voyez en rouge, ce sont les communautés métiers qui transcendent la fabrication des jeux. Donc, c'est une structure matricielle où les communautés métiers représentent le lieu de questionnement, d'expérimentation, le lieu de réflexion sur les savoirs qu'on maîtrise, les savoirs qu'on devrait maîtriser, sur la réinvention des jeux à travers les communautés métiers. Alors qu'avant, tout se faisait dans les lignes bleues, c'est-à-dire autour des jeux, et on n'avait jamais le temps de réfléchir l'avenir dans le bleu, alors que le rouge, qui est piloté par une direction communauté métiers soutenue par la direction des ressources humaines, vous avez des conseillers ressources humaines qui supportent en moyenne 3 communautés métiers, et qui supporte le directeur métier à réunir les gens sous forme communauté pour penser l'actuel et surtout penser l'avenir à l'intérieur d'Ubisoft. Donc, vous voyez cette idée de dire, créons des espaces de socialisation sous la forme de plateformes de communauté pour réfléchir autrement des problématiques managériales associées à notre organisation. Une autre, celle de Sainte-Justine, j'ai mis ici la gestion de l'humanisation des soins. Comment innover de manière managériale dans l'humanisation des soins? Alors, pour ceux qui connaissent le milieu de la santé, parmi les normes les plus élevées, d'humanisation des soins, ce sont les normes Plan 3. Les normes Plan 3 sont des normes associées au monde de la santé. La question qu'on s'est posée à Sainte-Justine, parce qu'on croit fondamentalement à l'importance d'humaniser le soin pour les enfants, on s'est posé la question, mais si on créait une plateforme, donc un laboratoire vivant, et si dans le laboratoire vivant, on intégrait des gens qui proviennent du milieu des arts technologiques, des arts du cirque et du musée des beaux-arts de Montréal, comment on pourrait réinventer un certain nombre de soins thérapeutiques qui vont permettre à l'enfant de mieux vivre sa maladie dans une humanisation des soins qui dépasse les modèles reconnus. Alors, quand vous voyez l'image complètement à votre gauche, le Living Lab SAT, c'est un dôme de réalité virtuelle qui permet à un enfant de concentrer l'attention de l'enfant sur un certain nombre d'images pendant que les médecins ici traitants vont lui changer ses pansements dans un contexte de grand brûlé. Donc, un des constats qu'on a fait, c'est lorsqu'on change les pansements des enfants grand brûlé, c'est extrêmement douloureux. Et avec la Société des arts technologiques, ils se sont mis à réfléchir sur l'humanisation du soin avec la réalité virtuelle et pour inventer ici une approche managériale de traitement du soin qui permet de dépasser les approches classiques en humanisation des soins, idem avec l'espace transition et le Musée des beaux-arts de Montréal pour les grands enfants angoissés. Je viens de perdre encore une fois la slide, j'espère que ça va, parce que parler tout seul, on n'est pas habitué. Non, pourtant, ça marche? Oui, ça marche. OK.
Alors, ce que j'ai voulu faire, qu'est-ce que ces histoires ont en commun pour mes collègues chercheurs? J'ai voulu rappeler que les travaux de Nanaka et Takeuchi, ils montrent que si on veut ensemble partager nos savoirs tacites pour inventer l'avenir, il faut apprendre à se faire confiance. Il faut développer des lieux de socialisation où on va apprendre à se faire confiance. Dans ces lieux-là, on va être capable d'externaliser nos savoirs tacites parce qu'on se fait confiance. Et lorsqu'on externalise nos savoirs tacites, on est capable de les combiner pour inventer l'innovation managériale. Et Nanaka nous a bien montré que le concept de bond et le share context, on a besoin d'un lieu, d'un espace pour se regrouper ensemble où on partage autour d'une problématique, on partage un échange créatif. Je vous rappellerai un exemple documenté par Amy Edmondson, professeure à l'Université à Harvard, quatrième gourou les plus cités au monde cette année dans le 50 Thinker, qui montre dans des observations comment des infirmières dominées par leur patron clinique, donc comment des infirmières dominées par un médecin, patron clinique, n'osent pas donner leurs idées pour améliorer le soin dans des salles d'opération, et cette peur a engendré la mort de personnes. Donc, elle a écrit un très, très beau livre qui s'appelle, qui est autour de la sécurité psychologique. Comment la sécurité psychologique, comment l'attitude d'une équipe de gestion, l'attitude du gestionnaire, génère une sécurité psychologique qui va permettre aux gens de partager leur savoir tacite dans un espace sécure, est en mesure de générer une combinaison de savoir et de générer de l'innovation. Alors, c'est intéressant aussi les travaux de Amy Edmondson sur la sécurité psychologique. C'est très intéressant, ses publications récentes sur la contribution de la sécurité psychologique à l'innovation. Et de l'autre côté, ce que vous voyez ici, c'est comment ces espaces de middle ground nous permettent à l'organisation d'absorber l'innovation. Autrement dit, le Living Lab en humanisation des soins, il est expérimenté concrètement sur le plancher de production dans des opérations cliniques appropriées par les médecins, appropriées par les infirmières praticiennes. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un grand dilemme en innovation, comment l'exploration va pénétrer l'exploitation. Et vous voyez que dans les exemples qu'on présente, bien, le rôle de ces plateformes va faciliter le lien entre l'exploration et l'exploitation en autant dans les cas que les gens du cœur de métier portent l'innovation managériale. Alors, si vous regardez la slide d'avant, vous voyez que j'ai mis l'image d'un médecin spécialiste qui est un psychiatre, qui est la leader de l'innovation managériale. À HEC Montréal, les leaders de l'innovation managériale, ce sont des profs, ce ne sont pas des gestionnaires, ce ne sont pas des directeurs administratifs, ce sont les professeurs eux-mêmes qui sont porteurs de l'innovation managériale. Alors ici, ce que vous voyez dans les exemples, ce sont les gens qui sont dans le cœur de métier qui portent l'innovation managériale. Les mentors chez Ubisoft, ce sont des gens de métier qui sont des mentors dans la plateforme éducation. Ce ne sont pas des gens des fonctions de gestion qui sont les mentors à l'intérieur des plateformes d'Ubisoft. Le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est l'innovation managériale pour développer la capacité à changer du dirigeant et de son équipe de direction. Là, je vous rappelle certains travaux de Mintzberg. Je vous rappelle des travaux conduits au Québec, au Canada et aux États-Unis sur, entre guillemets, l'échec des modèles traditionnels de développement du leadership. Lorsque nous, on rencontre des hauts dirigeants ou des membres de l'équipe de leur direction, qu'on leur demande « Est-ce que vous seriez prêt à venir suivre un MBA avec nous? » Les gens nous disent « Oui, en autant que ce ne soit pas un MBA. » Comment dire, en finance, en marketing, si vous faites un executive MBA sur le collaborative mindset, le reflective mindset, on va y aller. Mais si vous le faites sur les fonctions traditionnelles de gestion, on n'y va pas parce qu'on le sait déjà. D'autres personnes vont nous répondre, j'ai déjà deux maîtrises. J'ai une maîtrise en gestion, j'ai une maîtrise en soins infirmiers, puis j'ai une troisième maîtrise en éthique. Donc, j'ai fait plein de maîtrises, c'est assez. Et en même temps, les gens nous disent, oui, mais... Si les dirigeants et les futurs dirigeants de nos organisations ne sont pas capables de se remettre en question eux-mêmes, on ne sera pas capable d'innover. Donc, la capacité à changer des organisations,
est aussi fonction de la capacité à changer du dirigeant et de son équipe de direction. Alors, la question qu'on nous a souvent posée, c'est comment innover dans le développement de la capacité à changer du dirigeant et de son équipe de direction. Alors, je vais vous donner deux exemples vécus sur lesquels je travaille moi-même là, à partir des réflexions que vous avez ici. Ce qui est intéressant dans le dernier sondage mondial 2018 de Hegan-Zander, 79% des Chief Executive Officers sont d'accord sur le fait qu'ils doivent se transformer eux-mêmes pour transformer leur organisation et en même temps, ils ne prennent pas le temps de se transformer eux-mêmes, de réfléchir sur eux, reflective mindset. Alors, vous irez voir les hyperliens, c'est assez intéressant. Et je vous encourage aussi à aller voir la réflexion de Michel Bonda, qui est le président du groupement des chefs d'entreprise du Québec, 2000 chefs, qui réfléchit sur son propre métier à lui de dirigeant et comment il doit réfléchir sur lui pour développer sa propre capacité à se transformer pour transformer son organisation. Alors, c'est un peu autour de cette idée de transformation, le self, le reflective mindset, autour duquel je vais vous amener en termes d'innovation managériale, qui serait comment développer les prochaines générations de dirigeants en complétant les approches traditionnelles de formation dans nos programmes de formation exécutive, diplômant ou non diplômant. L'idée, c'est de construire une alternative en parallèle et non pas d'éliminer les modèles classiques. Alors, je vais vous donner deux exemples. Là, je l'avais fait, j'avais monté l'exemple de manière décalée, là, mais là, on a sur la même figure. Le groupement des chefs d'entreprise du Québec, ce sont 2000 chefs de PME, majoritairement 1800 du Québec, Suisse, France, surtout la région Rhône-Alpes, provenance de la Belgique. Ce sont des chefs qui se sont réunis ensemble autour de l'idée de la solitude du chef et comment devenir un meilleur chef d'entreprise. Alors que, au moment où on pose cette question, les seuls programmes qui existent pour les chefs, ce sont des programmes avec des séminaires de formation. Alors, il y a trois domaines de connaissances critiques autour du chef. Vivre pleinement, donc vivre pleinement comme chef. Développer son entreprise, pérenniser son organisation, qui sont les trois grands domaines de connaissances critiques. On est un peu dans l'idée de la communauté. Et là, j'ai regroupé autour de trois grands éléments qui appartiennent à souvent la gestion de connaissances à la communauté. Comment un chef renouvelle sa connaissance sur le métier de chef. Comment un chef partage ses savoirs tacites sur le métier de chef avec d'autres personnes. Et comment le groupement capitalise cette information pour aider les 2000 chefs à devenir des meilleurs chefs. Et là, j'ai donné des exemples d'activités. Alors, renouveler, par exemple, à chaque année, on se réunit pendant 48 heures non-stop, de 7 heures du matin à 7 heures le soir. Le G500, c'est 500 chefs qui réfléchissent autour de thématiques. Par exemple, une année, c'était « être libre autrement ». Une autre année, « diriger autrement ». Une autre année, « inspirer autrement ». Et l'idée dans ces rencontres, c'est de confronter le savoir des chefs avec des apprentissages d'autres chefs et d'apprentissages d'experts, mais toujours dans une méthodologie d'apprentissage collective extrêmement dynamique. Alors, j'ai voulu montrer à l'intérieur du développement du métier de chef comment on utilise à la fois les savoirs expérientiels des chefs eux-mêmes entre eux à travers des rencontres mensuelles de chefs qui durent en moyenne 3 heures autour de thématiques, comment cette connaissance-là elle est capitalisée dans les référentiels chefs, donc la capitalisation, et comment on renouvelle le savoir des chefs par des activités expérientielles extrêmement percutantes pour faire évoluer le chef dans l'apprentissage de son métier de chef d'entreprise. Là, j'ai perdu l'image. OK. On y revient. Non, elle est toujours là. Elle OK. Alors ici, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a des chefs qui vont bien sûr se former dans des séminaires de formation, mais ici, on a abordé le développement du chef autour à partir de la notion de communauté
et non pas à partir de la notion être membre d'une association. Alors, les 2000 personnes travaillent de manière en communauté et l'élément de base, c'est le club mensuel, c'est la petite communauté de pratique qui se réunit à tous les mois par groupe de 10 à 12 personnes. Il y a environ 120 communautés qui se réunissent à tous les mois. Et lorsqu'un chef manque deux ou trois réunions, il est exclu du réseau des chefs. Et là, vous voyez qu'autour de ces communautés mensuelles, on capitalise cette connaissance-là dans des espaces disponibles aux 2000 chefs et on renouvelle la connaissance de manière extrêmement dynamique. Donc, on est ici dans un mode communauté, on n'est pas dans un mode association. Le dernier exemple, c'est celui qu'on fait actuellement. Ça, c'est le modèle de développement des cadres supérieurs du réseau de la santé et des services sociaux. On s'est beaucoup inspiré de l'état de la situation de Learning and Development au Canada entre 2004 et 2017. Et grosso modo, en 2004, quand on forme des cadres supérieurs, 88% des activités sont des activités formelles, alors qu'en 2017, c'est seulement 38%. En 2017, au Canada, lorsqu'on forme des cadres supérieurs, 62% des activités sont expérientielles et 12% des activités sont formelles. Alors ici, vous avez l'exemple de la première cohorte 2018-2019, où on a choisi 334 futurs hauts dirigeants qui ont tous des maîtrises. En général, ils ont tous deux maîtrises, une maîtrise dans leur domaine d'expertise en santé et une maîtrise de gestion. Et vous voyez un peu que le modèle de développement est basé sur l'approche 70-20-10. Autrement dit, on se développe comme cadre supérieur à partir d'expériences marquantes à 70%, de rencontres inspirantes à 20% et de formation en salle de classe à 10%. Et pour chacun des 334 personnes, on leur a fait faire une évaluation de potentiel individuel et on leur a construit sur une base individualisée un portfolio d'activités qui intègrent le 70-20-10 pour combler leurs faiblesses, valoriser leurs forces pour qu'ils puissent devenir la future génération de cadres supérieurs du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, vous avez un programme qui est piloté par l'ensemble des hôpitaux au Québec, qui gèrent, dans le fond, chacun de leur apprenant à travers une plateforme commune qui est construite ici sur l'expérientiel, les rencontres inspirantes et les programmes de formation individualisés. À travers un portfolio qui doit être géré par l'apprenant et il doit condenser un certain nombre d'activités selon ses forces et ses faiblesses, donc selon son modèle d'évaluation de potentiel autour de la logique 70-20-10. Je vais passer sur l'équipe de direction parce que là, il me reste 5 minutes. Alors, sur l'équipe de direction, en passant, moi, je travaille toujours avec ces trois concepts. J'accompagne plusieurs équipes de direction. Et puis, ce que je voulais montrer ici, c'est de dire, lorsqu'on veut développer l'innovation managériale, il faut que les membres de l'équipe de direction soient alignés stratégiquement sur l'importance de cette innovation. Il faut que les membres de l'équipe de direction soient capables de débats constructifs autour de l'innovation. Il faut qu'ils soient capables d'identifier leurs zones de collaboration lorsqu'ils reviennent sur le terrain autour de l'innovation managériale. Alors, très souvent, les comités de direction, c'est un patron qui parle, chacun fait son rapport au patron, il n'y a plus de débat constructif, il n'y a pas vraiment de collaboration disciplinée, ce qui fait que l'innovation, où on a dit oui au comité de direction, finalement ne s'implante pas dans les milieux de pratique parce qu'il n'y a pas de cohésion au niveau de l'équipe de direction. Alors, moi, je travaille souvent avec ces trois concepts-là. Et ça marche super bien pour faire évoluer une équipe de direction sur l'importance d'être aligné, d'être capable de débats constructifs, de sortir de la logique traditionnelle des rapports de pouvoir classiques et de la collaboration disciplinée pour soutenir l'innovation managériale. Alors, en guise de conclusion, trois points. Un peu comme l'innovation produit, l'innovation processus, l'innovation technologique. Ce que je vous ai présenté, c'est centré sur l'utilisateur. Le premier déclencheur, c'est l'utilisateur. J'aurais pu vous parler aussi d'expérience, de comment on a réinventé nos cours HEC en fonction du type de client, première année de bac, première session, MBA, MSc, PhD, etc. Donc, elle est basée beaucoup sur l'expérientiel, donc beaucoup sur les savoirs expérientiels. Ce que je vous ai présenté, c'est ouvert, c'est co-construit, c'est collaboratif,
Et dans certains cas, c'est en écosystème. Lorsqu'on réinvente, par exemple, l'humanisation des soins à Sainte-Justine, c'est en écosystème. Lorsque Ubisoft se pose la question comment réinventer la gestion des talents, c'est en écosystème, avec des partenaires primaires, secondaires, universitaires, ou en écosystème, on réinvente le pipeline de talents en écosystème et pas uniquement fermé sur sa propre organisation. Donc, on était autour de ces idées. Deuxième, je vous encourage beaucoup à aller voir la référence qui est mentionnée ici et aller voir l'hyperlien Collective Genius de Linda Hill. Linda Hill, c'est une référence mondiale de Harvard, prof d'Harvard, sur notamment le développement des gestionnaires et aussi l'innovation. Donc, c'est une référence mondiale. Et vous voyez que dans tous les cas que je vous ai mentionnés, au niveau des dirigeants, au niveau des acteurs, il y a une très grande volonté à innover. Ça veut dire qu'ici, on valorise la sécurité psychologique, on valorise le droit à l'erreur, on valorise les espaces ouverts, on accepte la remise en question, on accepte de se faire challenger, on accepte de challenger notre. Donc, on est dans une logique de volonté. De l'autre côté, on a besoin d'outils pour mettre en place ces choses. On a besoin de développer, par exemple, le frottement créatif à travers des sessions de design thinking. On a besoin d'expérimenter. Par exemple, dans le Living Lab, on expérimente la réalité virtuelle et ensuite on l'implante dans les milieux de pratique. Donc, cette idée que l'innovation managériale, comme n'importe quelle innovation, on doit la soutenir par des capacités. Mais on doit d'abord et avant tout la soutenir par la volonté, le sentiment de communauté. On a un bon business case for change. On comprend le purpose. On a le sens. Alors qu'ici, on accompagne, on forme, on soutient, on a un champion, on a des pratiques, etc. Et le dernier point que je veux vous mentionner, donc, ça c'est, en passant, il y a des très bonnes vidéos de quelques minutes de Linda Hill sur Collective Genius sur le web. Vous pourriez aussi aller les consulter. Et en terminant, j'aurais le goût de vous dire que du point de vue du leadership, qu'est-ce qui est commun à la quasi-totalité des cas que j'ai présentés, c'est d'abord le T-shape management, le T-shape leadership. Alors, si je prends mon cas à moi, là, HEC Montréal, c'est moi qui ai piloté complètement la stratégie des pôles, puis qui a, avec mes collègues, inventé une douzaine de pôles. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que je maîtrise mon métier, parce que je pense que j'étais un bon prof, parce que je pense que j'étais un bon chercheur, puis que j'avais une forte légitimité à l'intérieur du corps professoral d'HEC Montréal. Mais de l'autre côté, en même temps, j'avais une grande connaissance en largeur des enjeux, des défis de toutes les disciplines, de tous les programmes et de l'équipe de direction. Donc, l'idée, c'est innover managérialement, c'est des gens qui sont ancrés dans le métier, qui sont ancrés dans le projet, mais en même temps, qui sont capables d'amener les gens à élargir leur horizon sur l'autre dimension du T, qui est la dimension horizontale. Dans beaucoup de cas que j'ai présentés, on parle aussi de leadership partagé. Lorsqu'on fait du management transversal, on partage le leadership entre différents corps de métier ou corps institutionnels ou à travers différentes disciplines. Donc, il y a toute la question de shared leadership autour de l'innovation managériale. On voit que dans plusieurs cas, ce sont les employés qui s'approprient l'innovation et qui en deviennent le gestionnaire, alors que nous, on va les coacher, on va les aider, on va faciliter. Donc, la notion de shared leadership. Et puis, ce qui va beaucoup corréler dans la recherche, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on avance dans l'innovation managériale et qu'on fait autrement, vous le savez, ben, il y aura des conflits, il y aura des prises de position, les gens vont s'attaquer, les gens vont discuter entre eux sérieusement. Et lorsqu'on anime comme animateur d'innovation managériale, ben, il faut être capable de mettre de l'eau dans son vin, il faut être capable de l'écoute de ses propres émotions, il faut être capable d'être à l'écoute des émotions de ses collègues. Et d'être capable de gérer cette tension entre l'innovation, les émotions. Et comment avancer ensemble dans la construction de pratiques
qui ont du sens et qui permettent d'aller plus loin dans les métiers qu'on exerce. Alors voilà, je pense que je suis on time. Là. Vous irez voir en annexe, j'ai mis les références avec les hyperliens. Donc, toutes les références sont en hyperlien. Et je vous rappelle qui est-ce qu'on est, et puis je vous rappelle qui est Mosaïque avec pas mal de partenaires européens. Alors, merci pour votre attention. J'aurais beaucoup aimé être avec vous en salle de classe, en guillemets, en présentiel, parce que j'aurais présenté probablement quelques PowerPoints et puis on aurait discuté ensemble, mais voilà, c'est pas possible. Merci de votre attention. Merci infiniment, Pierre. Merci pour cette conférence qui est absolument passionnante, qui ouvre beaucoup de champs, beaucoup d'horizons, qui fait écho, je pense, à énormément d'entre nous. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps sur un commentaire emphatique. Je vais surtout regarder les questions. Donc, j'ai repéré une première question qui traitait des espaces de middle ground. Est-ce que tu peux préciser entre ce qui est virtuel ou ce qui est physique? Est-ce que les deux existent? Donner un petit peu plus d'explications sur ces espaces. OK. Sur le middle ground, moi, le constat que je fais, lorsque le middle ground est strictement virtuel, il est moins performant que les modèles hybrides virtuels et en présentiel. Autrement dit, si je prends le cas de Mosaïque, par exemple, nous avons des activités en virtuel, mais quand on fait nos 5 à 8 créatifs ou quand on fait l'école d'été Montréal-Barcelone, parce que l'école d'été Montréal-Barcelone peut être vue comme un middle ground, bien, les échanges de savoir tacites sont beaucoup plus percutants, beaucoup plus riches en contenu, et génère beaucoup plus d'idées créatives qu'uniquement en mode virtuel. Alors, c'est l'observation empirique que je fais. Lorsqu'on a expérimenté des hackathons, par exemple, moi, j'ai vécu des hackathons en virtuel et puis des hackathons en présentiel. Les hackathons en présentiel, honnêtement, donnent des résultats orientés projet très performants, mais en même temps, on peut utiliser l'hackathon virtuel. Et quand on est capable de faire les modèles hybrides, un peu comme les communautés, on dit souvent qu'une communauté de pratique, elle est virtuelle, et lorsqu'elle a des occasions de se rencontrer en présentiel, ça permet d'enrichir notamment la portion tacite des savoirs individuels. Alors, tout à fait. Enfin, en KCO, on connaît bien ça. On connaît aussi l'effet COVID qui nous a beaucoup frustrés et qui rend les communications difficiles. Et tu en as fait ici une remarquable présentation en allant au-delà de ces difficultés, en nous faisant passer tous ces contenus. Tu as parlé de sécurité psychologique. Il y a eu deux remarques sur ça. Est-ce que tu pourrais donner les références? OK, je vais vous donner les références, mais là, je vais vous les donner les références par courriel. Mais effectivement, je vais vous donner les références. Je vous transmettrai les références, mais je vais vous donner deux références. Je vais vous donner la référence des deux derniers livres d'Amy and Munson. Amy travaille avec nous à HEC Montréal, entre autres. Elle travaille sur les équipes extrêmes. Donc, un de ses champs de recherche, c'est la sécurité psychologique. Un autre de ses champs de recherche, ce sont les équipes extrêmes. Une équipe extrême, c'est exemple des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux qui ensemble travaillent sur une trajectoire de soins, mais ce sont des personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble parce qu'ils étaient entrés dans leur discipline. Quand vous expliquez à un grand médecin cardiologue qui devra travailler dorénavant sur une trajectoire de soins avec des collègues provenant de d'autres disciplines, pour lui, c'est un choc. Alors, à ce moment-là, on appelle cela une équipe extrême. Elle a écrit un excellent volume qui vient de paraître avec des cas sur extreme teaming. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est associé. Donc, c'est extreme teaming, ce serait une innovation managériale qui est associée au management transversal. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui font du management transversal et qui gèrent leur équipe de manière traditionnelle puis qui gèrent leur management de manière traditionnelle. Donc, dans extreme teaming, c'est des beaux cas, des cas d'entreprises privées et publiques où on montre comment on peut mieux gérer des équipes extrêmes qui sont souvent interdisciplinaires, intersectorielles et intergénérationnelles avec aucune habitude de travailler ensemble. Sur la sécurité psychologique, ça a été l'objet de ces travaux antérieurs pour bien montrer le rôle de la sécurité psychologique, notamment dans toute forme d'innovation, mais notamment dans l'expression des savoirs tacites. Derrière la sécurité psychologique, l'hypothèse, c'est la majorité
des innovations terrain managériales vont provenir du savoir tacite de personnes qui travaillent au quotidien plutôt que de savoir d'experts qui, finalement, n'ont pas la sensibilité du quotidien. Mais pour que le savoir tacite terrain puisse monter à la surface et contribuer à réinventer les pratiques, il faut que les gens se sentent en sécurité psychologique. Donc, je vais vous envoyer des références, puis je vais vous envoyer un ou deux liens de vidéos YouTube sur le sujet. D'accord. On a encore une question, en tout cas une remarque. Est-ce que l'innovation managériale est une organisation apprenante? Je dirais que j'aurais pu aborder aussi la question de l'organisation apprenante, au sens qu'une organisation apprenante va générer beaucoup d'innovation managériale. J'aurais pu vous présenter le cas d'IBM Bromont, où finalement, du point de vue de l'agilité, des processus, des structures, des pratiques de gestion, de la gestion des personnes, ils ont développé plein d'innovations managériales. Probablement parce qu'ils ont été construits sur cette idée d'innovation, d'organisation apprenante. Quand IBM Bromont a été construit en 1969 à Montréal, c'est la seule usine restante au monde d'IBM Bromont, d'IBM. Mais parmi les 40 usines mondiales, 39 sont en Asie du Sud-Est et pourtant Bromont est l'usine la plus productive au monde et la plus innovante au monde. Et lorsqu'elle a été créée en 1969 sous la forme d'un Greenfield Site près de Montréal, le premier dirigeant à l'époque, qui s'appelait Mike Wong, a appelé à l'Université McGill Francis Wesley, qui travaillait avec Albert Chern sur l'approche socio-technique et le modèle des organisations apprenantes. Il les a invités et ensemble, ils ont construit à quoi pourrait ressembler cette usine de 3000 personnes à partir des préceptes de l'organisation Learning Organization et puis approche socio-technique. Et par la suite, a émergé plein de d'innovations managériales chez IBM Bromont, mais plein d'innovations technologiques, plein d'innovations de processus, plein d'innovations modèle d'affaires. Le modèle d'affaires a beaucoup évolué au fil des ans, mais toujours dans ce schéma mental Learning Organization. Mais une organisation apprenante, c'est une organisation qui a une pension à innover. Qui a une propension à innover. OK. On va encore faire le tour. Là-dessus, je vous enverrai une référence. Une très bonne référence. Là, vous m'excuserez parce que professeur honoraire, ça veut dire professeur à la retraite. Des fois, la mémoire tourne moins vite. Mais je vais vous envoyer une référence de deux collègues, dont Amy and Munson, et vous allez pouvoir tomber sur un site où vous pouvez faire une forme d'auto-évaluation, auto-diagnostic de votre capacité d'apprentissage à innover à partir des concepts de l'organisation apprenante. Donc, je vais vous envoyer ce document-là que vous pourrez distribuer aux gens. Merci encore beaucoup pour tout ce matériel que tu nous partages, vraiment très largement et très généreusement. Je fais juste une ouverture pour une dernière question. Vous pouvez utiliser votre micro si vous le souhaitez. Puis ensuite, on va passer la parole à Karine Goglio-Primard, qui va nous mettre en perspective cette conférence sous une forme de synthèse et puis de rapport avec notre quotidien ici, outre-Atlantique. Pas de questions? Vous pouvez toujours les chatter. Je pense que Réal les prendra toujours, en tout cas par écrit, avec des possibilités de réponse ultérieures. Il y avait une question. J'espère que l'accent québécois n'a pas été une limite à la présentation. Non, pas du tout. C'est bien agréable. Une question que j'ai manquée. Oui, Ribérol, merci beaucoup pour ce partage. Reprend beaucoup du Safe Framework développement logiciel. Comment faire coexister ces espaces créatifs dans grandes entreprises avec une gouvernance très traditionnelle? Oui. Il y a des chercheurs qui prônent le courant suivant, c'est-à-dire vaut mieux mettre le feu par la base en espérant que la maison qui brûle va faire réfléchir les hauts dirigeants. Mais je pense que l'idée qui est posée, c'est comment on est une organisation ambidextre. Et en quelque part, si une organisation reste très traditionnelle,
ça va être, l'innovation managériale va rester en général va rester confinée à une direction, confinée à une équipe, parce que vous pouvez avoir un directeur d'une unité qui est très ouvert, très innovant, très collaboratif, puis qui est capable de gérer les contours de son unité, puis de générer d'innovation managériale qui va demeurer à l'intérieur de ses murs, qui va le rendre plus performant à l'intérieur d'une organisation qui va être plus traditionnelle. Mais si on veut en faire une capacité stratégique, je pense qu'il faut travailler aussi avec l'équipe de direction. Je pense qu'il ne faut pas faire l'hypothèse de dire « oui, mais ils sont traditionnels, ils ne bougeront pas ». Il faut travailler avec l'équipe de direction. Quand j'ai pris le mandat de développer, de réinventer, pas de réinventer, de penser autrement la gestion du corps professoral à HEC, mes premières interventions que j'ai faites longuement, c'était avec le directeur de l'école. Et après ça, je suis allé chercher une marge de manœuvre. Après ça, j'ai travaillé sur le cœur de métier. Ce que j'avais sous-estimé, c'était la réaction des fonctions de soutien, informatique, services financiers, mais on a réglé en cours de route, mais en quelque part, et ce que j'ai demandé aussi au directeur de l'école, c'est régulièrement de faire un état de situation de la performance des pôles à l'Assemblée générale des profs qu'il fait deux fois par année. Donc, en quelque part, on s'est assuré que la haute direction d'HEC nous suivait là-dedans, là. C'est-à-dire qu'elle était capable, parce qu'on voulait en faire une capacité stratégique pour l'ensemble d'HEC. Mais si c'était uniquement dans le département de management, bien, j'aurais travaillé autour du département de management, j'aurais fait mes affaires tout seul dans mon coin et puis j'aurais opéré dans mon coin. Alors, je pense que si on veut que ça devienne une organization strategic capability, bien, en quelque part, ça commence par l'équipe de direction. Si vous prenez le virage que vient de faire Hydro-Québec, là, Hydro-Québec vient de faire un virage majeur client collaboratif, bien, les premiers mois de travail ont été faits avec l'équipe de direction parce qu'on veut développer une capacité stratégique overall sur l'ensemble des 20 000 employés d'Hydro-Québec. Donc, mais si on veut en faire une capacité locale dans une direction, on n'a pas besoin d'avoir le OK de la haute direction. Merci à nouveau, Réal, pour toutes tes réponses. Je suis obligée de faire ce qu'on appelle le timekeeper et malheureusement de passer à autre chose, non pas que ça ne nous intéresse pas, autre chose, mais que c'est vraiment tellement intéressant d'entendre, sachant que vous pourrez tous retrouver cette conférence qui est enregistrée et les documents présentés, ainsi que toutes les références données par Réal, on vous transmettra tout. N'hésitez pas, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'avoir plus de présentations sur le KCO à cette occasion, on vous en donnera plus sur nos productions, nos livrables, nos animations, nos formations. Mais avant toute chose, je passe la parole à Karine pour continuer donc cette présentation qui, je vous rappelle, se terminera à 17h30. Très bien. Merci. Alors, par rapport à cette synthèse, suite à cette présentation de Réal, déjà, je voulais remercier Réal pour vraiment cette présentation riche et puis vraiment inspirante et engageante. Pour cette synthèse, je voulais repartir de la définition donnée par Réal de l'innovation managériale, où il a indiqué que c'est la mise en place de pratiques, de processus, de structures de management totalement différents des normes habituelles. Et c'est vrai qu'on peut noter que cette mise en place ne peut pas se réaliser uniquement au niveau du manager ou de la structure hiérarchique de l'entreprise. Cette innovation managériale, c'est vraiment un processus d'apprentissage collaboratif, comme l'a dit Réal, co-construit avec les acteurs de l'entreprise. Et c'est vrai que tous les cas présentés par Réal vraiment en témoignent de cet apprentissage collaboratif et de cette co-construction avec les acteurs de l'entreprise. Alors aujourd'hui, l'innovation managériale, c'est vraiment pour moi un dispositif soutenu par les entreprises qui ont besoin de manager autrement, avec de nouvelles formes organisationnelles. Alors, à la fois, soit pour se différencier, par exemple, de leurs concurrents ou s'adapter aux évolutions de leur environnement. Et surtout, on observe que ces entreprises-là, elles utilisent ces dispositifs pour conserver souvent leurs salariés. Leurs salariés qui sont vraiment engagés, qui sont passionnés et qui souhaitent vraiment contribuer au développement de l'entreprise.
On peut prendre l'exemple de ce que l'on vit aujourd'hui dans le cadre de la pandémie actuelle du Covid-19, où on a vraiment assisté à des dispositifs d'innovation managériale ben, collaborative qui se sont développés dans tous les domaines. Il y a des consortiums d'entreprises qui ont été mis en place pour vraiment sauvegarder notre santé, des aides aux soignants, des soutiens aux familles. Et c'est vrai que dans ce contexte de crise sanitaire et sociale, je trouve que vraiment la résilience des entreprises a reposé sur leur aptitude à mobiliser et valoriser ce qu'on pourrait appeler l'intelligence humaine qui est disponible au sein des organisations. Et c'est vrai que les différents cas présentés par Réal sont vraiment construits à partir de ça, de cette intelligence humaine, de savoir, comme a dit Réal, expérientiel, tacite, des acteurs de l'entreprise qui sont mis en réseau à travers, par exemple, l'émergence de communautés d'innovation ou même de relations entre des communautés de pratiques différentes. Donc, c'est vrai que l'innovation managériale passe par l'émergence de différentes formes de communautés ou d'espaces qui sont des vecteurs d'apprentissage et de partage de connaissances au sein des organisations. Par exemple, dans le cas sur les pôles d'expertise au sein de Mosaïque HEC Montréal, on est en présence de professeurs qui appartiennent à des disciplines différentes, mais à un moment donné, qui vont se retrouver dans des espaces communs autour de leur passion commune, la santé, par exemple, l'entrepreneuriat, l'innovation, la créativité. Et même le cas sur la chaîne de vie à l'hôpital permet de relier des praticiens de domaines différents, par exemple des infirmiers, des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins spécialistes, avec une logique vraiment de rôle dans la même chaîne de valeur. Donc, que ce soit dans le cas de Montréal où on est sur des communautés d'innovation centrées sur une passion partagée, ou cet exemple-là de la chaîne de vie à l'hôpital, où là, ce sont des communautés de pratique qui co-construisent la trajectoire de soins, ces deux cas sont vraiment focalisés sur le partage de savoir expérientiel. Et à travers ces cas, je pense qu'il est aussi important d'aborder la grande difficulté pour les entreprises d'exploiter et d'intégrer ces connaissances tacites, c'est-à-dire ce capital humain, ce savoir expérientiel, dans leur processus d'innovation. On peut relever, je pense, de nombreux freins à l'innovation managériale collaborative, comme par exemple le manque de ressources ou le manque de temps dans l'entreprise. L'innovation managériale et la transformation des organisations va demander du temps pour la mise en œuvre, mais aussi l'apprentissage culturel de nouveaux milieux organisés comme les communautés, les espaces. Réal a parlé aussi de tiers-lieux avec le cas de Desjardins. Tout cet apprentissage culturel de nouveaux milieux organisés prend du temps au sein de la structure formelle. Donc, moi, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est finalement comment soutenir l'innovation managériale. Je pense que c'est vraiment une question importante. Donc, comment soutenir cette innovation managériale pour les organisations? Et je pense qu'il y a deux leviers forts. Le premier levier, c'est vraiment d'instaurer des mécanismes de soutien au niveau de la structure formelle. Donc, l'innovation managériale doit être soutenue et surtout légitimée par un sponsor dans l'entreprise, mais aussi animée par un leader qu'on appellera peut-être un animateur et accompagnée aussi pour que finalement il puisse y avoir une appropriation opérationnelle par l'entreprise. Le deuxième levier, ça serait vraiment de soutenir au sein de l'entreprise l'émergence de ces espaces intermédiaires de socialisation qui sont favorables à l'innovation. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. On a parlé de communauté d'innovation, on a parlé de communauté de pratique, et c'est vrai que dans son intervention, Réal va un peu plus loin, il parle de middle ground interne, enfin, ou de middle ground en général, et c'est vrai que ces middle ground, ça peut tout à fait être une nouvelle forme organisationnelle, c'est aussi finalement des espaces intermédiaires de socialisation qui sont favorables à l'innovation. Et alors, l'exemple d'Ubisoft, pour avoir visité l'entreprise quand j'étais à l'école d'été à Montréal, c'est vraiment un exemple fort qui témoigne de l'importance de tels middle ground internes. Parce que chez Ubisoft, il y a des communautés en fait de spécialistes qui ont émergé pour soutenir les activités d'exploration et pour faciliter l'intégration des connaissances produites par la structure formelle. Donc, ces communautés de spécialistes sont de véritables espaces d'échange, comme a dit Réal, pour incuber l'innovation managériale et s'assurer vraiment que les idées incubées sont à un moment donné exploitées par la structure formelle. Alors, on peut identifier plusieurs leviers de tels middle ground internes. Alors, le premier levier qui me paraît très important en suivant un peu le modèle du middle ground développé par nos amis de Montréal, Patrick Wendé, Laurent Simon,
nos amis de Mosaïque. Le premier levier, c'est un lieu favorable à l'innovation de l'entreprise. Ensuite, le deuxième levier, ça va être des espaces cognitifs. À Ubisoft, ils ont une plateforme cognitive pour partager les connaissances. Le troisième levier de Tell Me the Ground interne au sein de l'entreprise, ça va être des projets, bien sûr. Et le dernier, c'est des événements. Alors, le levier événement est très important, puisqu'ils peuvent être à la fois internes. Par exemple, tous les vendredis, les spécialistes de cette communauté chez Ubisoft, ils vont se retrouver pour échanger leur savoir tacite de manière informelle autour d'une bière, enfin voilà. Mais aussi, il peut y avoir des événements ouverts aux acteurs externes. Et c'est ce qu'ils font chez Ubisoft. Ils mettent en place des événements au sein de cette communauté qui vont être ouverts aux acteurs externes pour vraiment rassembler des experts de l'entreprise, mais aussi des créateurs de la ville de Montréal sur les jeux vidéo, des fournisseurs, des partenaires. Donc, ce Middle Ground interne permet vraiment de socialiser, à la fois voilà, de socialiser, de partager des savoirs tacites, mais aussi d'inventer de nouvelles pratiques, de s'inspirer de l'écosystème de Montréal, des créateurs, de ceux qui, à un moment donné, ils créent dans leur garage, mais ils sont invisibles, mais à un moment donné, dans cette communauté, ils vont pouvoir participer à ces événements qui sont ouverts. Donc, ce Middle Ground interne génère vraiment des activités d'exploration, beaucoup d'idées. Mais à un moment donné, si on veut que l'exploration soit exploitée, des structures intermédiaires. Réal a beaucoup parlé de pôles de transfert, de structures de transfert, par exemple à Sainte-Justine à l'hôpital, avec vraiment dans ces structures intermédiaires des personnes de l'entreprise qui ont des rôles formels de transfert. Donc ces structures intermédiaires doivent être mises en place. Des bureaux de projet, par exemple, où il y a vraiment des personnes formelles qui, à un moment donné, vont permettre ce transfert vers la structure formelle. Et c'est vrai que tout cela nous engage, je trouve, à réfléchir, et Réal en a parlé en conclusion un petit peu, à réfléchir à la position au sein d'une entreprise d'un manager que l'on pourrait nommer peut-être un manager ambidextre. Et c'est vrai que moi aussi, je voulais parler un petit peu de ça dans la synthèse, parce que finalement, ce manager ambidextre, ça serait quelqu'un qui arriverait à la fois à différencier les activités d'exploration et les activités d'exploitation, mais aussi à finalement intégrer les connaissances produites par tous ces espaces, par toutes ces communautés, par ces middle ground, dans leur processus d'innovation. Donc, c'est vrai que ce rôle fort du manager, cette évolution, je pense, du profil du manager, avec un manager qu'on nommerait ambidextre, me paraît incontournable pour soutenir l'innovation managériale collaborative. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Karine. C'était vraiment une synthèse tout à fait pertinente, me semble-t-il. Il y a beaucoup de commentaires d'appréciation sur vos interventions. Bien sûr, il reste des questions de précision entre middle ground, underground, des débats peut-être à la clé. Je vois l'heure qui passe. Je ne sais pas si on peut ouvrir ce sujet-là très largement parce que je vois les gens partir petit à petit. Mais je vois des réactions. Christophe qui veut monter une start-up avec Karine. Enfin voilà, on est en plein écosystème. Volontiers. Ah, d'accord, Karine, c'était un job. Je voudrais que vous quittiez les uns et les autres parce qu'il est 34. Vous annoncez notre prochaine conférence qui a lieu le 16 juillet, qui va être organisée par un membre du CACEO, une entreprise adhérente, représentée par Magali Barberou, qui interviendra elle-même, pour nous parler des bioplastiques, de l'innovation responsable dans une recherche d'économie circulaire autour des plastiques. C'est sa spécialité, c'est une chercheuse. Donc, si vous vous souvenez, on avait une première conférence il y a 3 semaines qui était le regard des entrepreneurs, de managers sur l'innovation collaborative. On a la présentation brillante de Réal et ton intervention avec Karine sur cette innovation managériale dans toutes ces étapes. Et donc, le 16 juillet, nous espérons vous retrouver et que vous invitiez votre réseau pour entendre donc une présentation très différente, un regard plus technique sur une approche néanmoins collaborative sur l'innovation responsable. Merci à tous. N'hésitez pas à faire remonter encore vos appréciations là pendant les minutes qui restent. Et sachez une fois encore qu'on va vous faire parvenir tout le matériel qui a été présenté et évoqué. Bonne fin de journée à tous. Bye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt.
La raccroche. Nous ne sommes plus que cinq. Même Réal nous a quittés. Ah oui, merci. Réal nous a quittés. Nous a quittés. On peut peut-être le rappeler. Oui, on va le rappeler. Tu peux l'appeler directement. Attends, j'arrête.